parmi nous. Et Raphaël, oui, Raphaël est devant. Donc on est extrêmement heureux de vous accueillir et extrêmement heureux d'avoir connu Christine, parce que c'est vraiment une découverte incroyable. Donc Christine, moi je t'ai connue en allant au Canada il y a quelques années, en voyant ton livre dans les rayons, en voyant Sexy, Zen et Happy. Oui. Et, je suis revenue immédiatement à Paris en disant il faut absolument qu'on fasse ce genre de livre, parce que voilà, une belle femme qui en plus prône voilà, des choses bien pour les femmes, il faut absolument qu'on puisse... nous aussi ce genre de livre, et puis après on a fait ta connaissance, et voilà, et on a démarré une aventure qui aujourd'hui vraiment voit le jour grâce à Erwan, oui, ton éditeur québécois, qui est également un bon partenaire. Voilà, donc on publie aujourd'hui ce merveilleux roman, et qui va tous nous donner envie en ces quelques jours, en ces débuts de printemps, d'avoir envie de fleurir. Donc c'est un joli titre, c'est une jolie expression, et tu nous apportes beaucoup, donc on te remercie vraiment. Merci Marie. C'est à nous de te présenter. Moi aussi, je suis très heureuse d'accueillir ton roman au catalogue des romans Erol. Parce que d'abord, je trouve qu'il te ressemble, le texte. Il est positif, optimiste, de façon forcenée, et lumineux, généreuse. Voilà. Donc, c'est un roman qui fait du bien, comme aime à les publier Erol depuis... maintenant, 4 ans, voilà, et puis qui fourmille de petites maximes consolantes, aidantes, et qui restent en tête après la lecture, et il y en a une qui me revient, mais voilà, c'est celle-ci, c'est peut-être pas celle que tout le monde va choisir, mais c'est dans ta tête, tu peux toujours aller à la plage. Oui, vous allez comprendre en lisant. Mais c'est, alors voilà, c'est direct, c'est simple, mais quand même c'est diablement efficace. Ça marche. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc après, Erol, c'est aussi un éditeur qui s'attache à la qualité des contenus et à la vocation de l'éditeur de transmettre des savoirs. Et donc ton livre, dans cette perspective-là, il vulgarise les concepts de la psychologie positive de façon très intelligente en s'appuyant sur la fiction. Donc ça, c'est aussi pour tous nos lecteurs, c'est quelque chose qui est aidant pour le développement personnel de chacun. Et puis au-delà de ça, au-delà de la dimension initiatique, positive et didactique, moi j'ai envie de le lire, c'est ce que je t'avais dit déjà une fois, comme un plaidoyer pour l'attente. Ah oui, ouais, je me souviens. Voilà, comme parce que ton héroïne, Juliette, elle est contrainte d'attendre, de laisser le doute voilà, de venir, de s'interroger, et puis il ne se passe rien, il faut qu'elle supporte l'attente. Et donc je trouve que c'est quand même un éloge à l'anticipation joyeuse et sereine, dans un monde où on est plutôt contraint, on est habitué à la satisfaction immédiate, donc cette posture d'attente, elle n'est pas forcément évidente, et on peut la vivre... voilà, cette posture d'attente dans une certaine angoisse. Donc voilà, l'optimisme forcené, il est là, c'est-à-dire que toi, tu nous invites à la vivre de façon joyeuse et sereine. Donc je trouve, de mon point de vue, c'est ce qui fait la spécificité, l'originalité de ce roman de développement personnel. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y a nous aussi. Stéphanie, t'as tout mon chef exactement pareil. Quand t'applaudir, il lui jette avec ça. Il merci Marie, merci Stéphanie. Merci à vous d'être là d'abord. Moi, je me dis, mon Dieu, une Québécoise inconnue qui débarque à Paris, puis de vous voir tous ici ce soir, c'est sûr que ça me touche énormément. Alors, pour ceux et celles qui me connaîtraient moins rapidement, ça fait mon Irrésistible envie de fleurir, c'est mon premier roman, mais c'est mon 10e livre publié. En fait, comme j'ai dit souvent, j'ai fait de la procrastination efficace parce que c'était le premier livre que j'ai commencé à écrire.
c'est la première histoire que j'ai voulu mettre par écrit. Et je me faisais pas assez confiance. Donc, d'une année à l'autre, je le remettais dans le tiroir et j'écrivais autre chose. Donc, quand même, j'ai publié mes 10 livres entre-temps. Et je pense que j'avais besoin d'un certain élan de liberté pour pouvoir faire aboutir cette histoire. Parce que, bon, je perçois 4 piliers dans cette histoire-là. Oui, ça parle de psychologie positive, ça parle un peu de philosophie, ça parle des arts, de la spiritualité. Et comme j'étais animatrice télé au Québec depuis près de 20 ans, animatrice télé, radio, j'ai écrit dans les journaux, les magazines et tout, la télé, on appelle ça la petite boîte noire chez nous, je ne sais pas si vous dites cette expression, mais vous savez qu'une petite boîte noire, des fois, c'est forcé un peu de rentrer dedans. Et je ne suis pas certaine que... Je me donnais pas la permission d'aller au bout de cette histoire. Tant que j'étais dans la boîte noire. Heureusement, j'en suis sortie. Je suis ici aujourd'hui. Et ce que j'ai envie depuis... Dans les dernières années, oui, pour vous expliquer pourquoi la psychologie positive, moi, j'ai fait des études en droit à la base, mais il y a quelques années, je suis retournée à l'école à 45 ans et je suis retournée faire un certificat avec Tal Ben-Shahar, qui est le grand professeur du bonheur de l'Université d'Harvard. Et donc, j'ai fait une année d'études avec lui et ses collègues, évidemment. J'ai adoré cette matière parce que quand vous allez lire le livre ou si vous lisez des livres de psychologie positive, vous allez vite comprendre que c'est souvent des trucs qu'on met en application dans notre vie depuis fort longtemps. Des trucs plutôt simples, concrets, accessibles. Mais là, il y a des scientifiques, de grands scientifiques qui s'y intéressent et qui viennent comme mettre l'approbation, dire oui, effectivement, ça change les choses positivement. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi une irrésistible envie de fleurir, parce qu'en psychologie positive, on dit que l'humain doit fleurir. On parle même de floraison humaine. Et la floraison humaine, c'est de s'épanouir, de se réaliser, de donner du sens à sa vie. Et la psychologie positive, ce n'est pas de la pensée positive. Donc, on ne met pas des grosses lunettes roses en se disant que tout va s'arranger tout seul et que tout va toujours bien aller. Mais plutôt, la vie a ses hauts et ses bas. Il faut savoir remplir un peu son coffre à outils, se préparer pour, lorsqu'on aura passé à travers les difficultés, la souffrance, savoir l'accueillir aussi, savoir grandir à travers ça. Et donc, l'histoire d'une irrésistible envie de fleurir, les filles vous en ont parlé un peu, c'est l'histoire de Juliette. L'histoire commence, elle est en plein bouleversement de vie. En fait, elle vit ce qu'on appelle une tornade de vie. On a l'impression que le tapis nous est tiré sous les pieds. Donc, c'est la fin de sa relation amoureuse, elle perd son emploi. C'est sûr que vous allez voir qu'il y a des trucs, pour ceux qui me connaissent, que c'est inspiré, oui, de ce que j'ai vécu, mais pas tout. Parce que ça a été vraiment un problème dans ma vie personnelle, dans ma famille et mes amis. Qui m'appelait, qui me disait, non, Francine, qui est ici, maman reine, que tu m'as appelée au début, tu me dis, mais t'aurais dû me le dire que t'avais vécu tout ça. Je n'ai même pas été là pour toi. Mais Francine, j'ai pas vécu tout ça. Je suis partie avec mes idées. C'est un roman, rappelle-toi. Je dis une femme, c'est un personnage là-dedans qui est une amie de Juliette. Puis Juliette se plaint un peu, elle ne l'écoute jamais. Ben, j'ai une de mes amies, imaginez-vous, qui m'a appelée, qui me dit, est-ce que c'est moi, celle qui s'est déjà Juliette va cheminer. En fait, au début de l'histoire, elle va partir en voyage en Bretagne. Et là, elle va rencontrer deux autres personnages, deux hommes, qui vont commencer à la faire réfléchir et qui vont la ramener sur l'île d'Orléans, dans le petit village de Sainte-Pétronille. C'est là que j'habite aujourd'hui. Et où elle va aller rencontrer celle qu'on appelle la petite magicienne, qui s'appelle Adélaïde, qui a 7 ans. Et qui va d'abord commencer par faire cheminer Juliette, accompagnée de la dame qui en prend soin, qui est Marie-Luce, qui a 80 ans. Et je souhaitais que ce roman aussi soit intergénérationnel, qu'il y ait tous les genres, tous les types de personnes, que ce soit le plus ouvert possible et sans jugement. En même temps, on dit en psychologie positive, on sait maintenant que le facteur numéro un du bonheur, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. Donc, c'était plutôt important. Et bien, Juliette va cheminer à travers tout ça. Elle va apprendre toutes sortes de trucs liés à la psychologie positive aussi. Elle va devoir se mettre en action aussi. Et je voulais que ce soit quand même assez léger. Et je voulais pas d'une histoire en 5 étapes que la fille arrive à la fin, que tout est parfait, dans le sens qu'elle ne peut plus être atteinte par rien dans la vie. J'y crois pas moi-même tout à fait. Donc, je me disais, mais j'aime mieux avoir un personnage qui, simplement, va devenir plus présente et pleinement vivante. En fait, c'est ce que je souhaite. Et comme je suis habituée de donner de la formation et tout, il y a des principes qui sont transmis d'enseignement à travers l'histoire. Et à la fin, vous retrouvez les 64 principes d'enseignement qui sont listés. Je voulais être certaine que vous alliez avoir envie de les appliquer dans votre vie et que ça allait créer des résultats positifs aussi.
Donc voilà, je vous remercie infiniment. J'ai un merci très spécial à dire à Maud Ankawa, qui est caméra woman présentement. Maud. J'ai du gros matériel. Oui, on a du matériel. Maud m'a vraiment amenée dans son sillon. Ici en France, écoute, je n'en reviens toujours pas de ce que tu as fait pour tellement. Moi. Elle m'a tellement fait rire quand je l'ai vue. La première vidéo qu'elle a faite, c'était avec Frédéric Lenoir, qui est un ami que j'apprécie plus que tout aussi. Et elle a fait la vidéo, vous irez voir ça sur Facebook. Ils sont au Grand Rex, c'est ça, hein? Mais elle, avec tout son côté, allez, on s'organise. Tu sais, quand elle te met le livre dans les mains, elle dit, Frédéric, tu dis à la caméra quasiment que tu vas être là, hein, à la convention, sur le jeu de la convention, et le Frédéric est là. Oui, je vais être là. Et je me disais, pauvre lui. Et après, ça a été Christophe, Raphaël, Giordano qui est là. Il y a eu Sabrina qui est ici, Sabrina Philippe. Laura Massé, est-ce que Laura est arrivée? Non, peut-être non, pas. Elle n'a pas plein d'amis qui me sont très chers parce qu'un autre de mes rôles, et je termine là-dessus au Québec, c'est que j'accompagne des auteurs français pour les faire connaître dans les médias. Donc, j'ai développé des superbes amitiés de cette façon-là. Et je trouve ça extraordinaire maintenant qu'on m'offre la même chose, que vous m'accueillez de la même façon ici. Donc, un immense, immense, immense merci. Je manque de mots, en fait. Je sais plus ce que je pourrais vous dire, mais merci infiniment. Je suis très, très touchée. Et bien, je vous souhaite une belle merci lecture et surtout une bonne floraison. Bien, pas ça, les...